Yep, tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Metro Exodus. Je viens de secourir des esclaves, hein, tout en découvrant que ces charmants bandits s'amusaient à avoir des... Blanc. Je me pétais les jambes, tout va bien. Des esclaves sexuels. Je peux pas ouvrir la porte là pour les faire sortir. Non. Hein. Bon, bref, je viens de les libérer. Et... Et bah du coup je vais continuer de fouiller. Écoutez, on va faire des couteaux parce que j'en ai plus. Ça part à une vitesse ces conneries là. J'ai réussi à me péter les jambes. Mais quel connard je suis. Pouf, je te jure. N'importe quoi. Bon alors attendez, il reste normalement une zone à fouiller là-bas. La petite zone à fouiller que je voulais justement fouiller avant de continuer la quête principale. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais on va quand même la fouiller. Peut-être une planque, parce que j'en ai pas trop. Enfin, j'en ai pas dans le coin. Ah non, pas dans. C'est peut-être une planque. Puis tu vois les zombies partout. Ah, peut-être pas. J'allais dire parce que j'aimerais bien nettoyer mon arme, mais j'ai plus de, j'ai plus rien pour nettoyer mon arme. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a un mob là. Le petit salaud. Ah, une arme. Intéressant. Alors, où qu'il est l'autre qui se planque? Là-bas? Derrière? Bon, là, ça a l'air d'être les mecs à la surface. Hop. Rien d'intéressant. D'accord. Je pensais qu'il y aurait eu des trucs intéressants là-dedans, mais... Visiblement, rien de bien... Bien ouf. Ah, putain, mais... Allez hop, Oïs. Il y a un mec en dessous moi. Ça mais où il est? Censé avoir un mec là. Je le vois pas du tout. Ah ok, non, j'ai peut-être mal vu avec mon truc. Génial. 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 Je voulais tirer qu'une fois, j'en ai tiré deux. Voilà. Ah bah lui par contre. Non ok. Et lui? Je voulais prendre le couteau. C'est pas moi. Bon c'est un petit peu. Un petit peu très légèrement on va dire too much. Bon il est mort hein, mais peut-être on aurait pu le tuer de manière un peu moins. Et j'ai réussi à prendre des dégâts en plus. Génial. Génial. Eh ben. Tu parles d'une perte de temps toi. Bon bah les zoos, on va aller dans la petite cabane et puis on va retrouver ma voiture Ah non mais c'est Anna qui a la cabane pour se préparer, je sais plus. Ah non, Anna elle a pas de cabane. Voilà, du coup récupère la voiture, aller rouler jusqu'à la cabane pour dormir. Il n'y a pas d'établi en plus sur cette cabane je crois. Donc on pourra juste
Mais non, mais je me dis qui si c'est. Non, ah, Medipack, non, on s'en fout. Parce que quand on dort, de mémoire, ça nous remet full life. Donc j'ai juste à aller chercher la voiture. Hop. Pourquoi mon perso il tourne à gauche? C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Ah, c'est parce que j'ai une hémorragie, t'inquiète pas, c'est rien. T'as déjà refouillé le bâtiment où était Anna, peut-être qu'elle a laissé un truc en partant. Comme par exemple, je sais pas moi, une petite lettre d'amour. Ou un gros flingue. Non, elle a tout pris. Son siège et ses jumelles. Je sais pas pourquoi il y a du sang par contre. Il était peut-être là d'avance. J'espère qu'il était là d'avance et que c'est pas moi qui me dis peut-être que Anna elle est pas là. Elle s'est fait enlever. Non, ça fait un petit peu doublon, elle vient de se faire enlever déjà. C'est pas la seule nana du groupe qui se fait enlever en boucle, tu sais, ça fait vraiment cliché de demoiselle en détresse. Bon, comment je fais demi-tour moi par contre là? Bon, suffisait de forcer, c'est passé. Alors, la petite cachette qui doit être dans le coin là du coup. Alors, je sais plus précisément où. Bonjour. Est-ce que c'était là? Non. C'était là-bas. Hop. Tout ça pour soigner, je te jure. Bon, en vrai, ça me fait chier. On va prendre un Medipack quand on sera... Quand on sera plus proche. Allez, zou. Par là. Donc, il y a une petite tour de bandit que j'aimerais fouiller. Qui doit être dans le coin. Dans le coin, c'est vite dit parce qu'il n'est pas sur la carte. C'est pas ce truc là. Un mec qui arrive en plein sur la route. Tu parles d'une situation, toi. Allez. Ouais. Je vois effectivement un bandit qui est en train de patrouiller. Oula. C'est normal, Laura. Ne t'inquiète pas. Hein. C'est normal. Partir sur le côté là. Alors il y en a combien? 1, 2. Il n'y en a pas d'autres plus bas, non. Donc 1 là, 2, 3 ici, 4 là-haut. J'en vois que 4. Bon, ça a l'air d'être un petit avant-poste hein. Ça a pas l'air d'être un truc Pourquoi ils se mettent à couvert les gars? Ah, ils sont en train de se battre contre les... Pas qu'à droite, il va pas me repérer. Et vas-y, ils vont repérer. Tu parles d'une opération discrétion, toi? Attends, j'ai presque envie de faire F9. Et quand je dis presque envie de faire F9, ça veut dire j'ai envie de faire F9. On va aller tuer les bestioles là déjà. Qu'ils me fassent pas chier pendant que j'attaque. De ce machin là avec le viseur de merde, tu parles. Bon, on l'a eu quand même, et c'était le perso le plus intéressant à buter. Intéressant pour moi, évidemment, parce que c'est lui qui avait la la vision, surtout en fait. Regarde, eux, il est nargue et tout là. Le problème, c'est que s'il me voit de ce côté là, je suis baisé. Hein. Que j'ai rien pour me mettre à couvert. Là, ça a l'air bon. Putain, mais...
Putain, mais... Merde, là. Ils vont m'allumer, là, si je les descends pas rapidos. Allez, les machins qui attaquent, tu vois. Les machins qui attaquent quand j'attaque. Là, je recharge juste parce qu'en fait, ça me fait chier. J'ai plus de soins. J'ai plus de soins, j'ai quasiment plus de chimie, enfin de trucs de chimique là, de... Je sais pas, à chaque fois je me mélange dans les mots, je sais pas lesquels utiliser. Les produits chimiques, les composants chimiques, je sais pas. Bref, le petit fiole dans les compos. Ouais, évidemment. Y a pas à dire, faut vraiment que je change ce viseur réflexe. Hein. Faut vraiment, 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 vraiment que je change le viseur réflexe. Hop. Boum. Coup de pied, mon gars. Bon. Et pourquoi attacher des cadavres? Ça, c'est dommage qu'on puisse pas prendre les quads, en vrai. J'aimerais bien pouvoir les choper, les quads. À mon avis, c'est bien plus maniable et plus sympa que mon petit véhicule. Bon, après, je prends plus de dégâts. Parce qu'il faut pas non plus abuser sur les... Voilà, faut pas que ce soit plus pété non plus. Mais pourquoi il redescend, mon perso? L'escalier est cassé ou quoi? J'avance, mais non, tu redescends. Ok. Des compos. J'allais dire qu'ils ont pas vu mon véhicule de là-bas. Ça, c'est un peu dommage pour l'IA. Par contre, l'IA est pas transcendante là-dedans. Mais ça, comme je disais, c'est souvent sur la partie infiltration. C'est-à-dire que là, le mec, d'ici, il le voit, mon véhicule. Ils auraient dû tirer à vue, tu vois. Ça aurait peut-être rendu le jeu plus compliqué. Mais à mon avis, enfin, je sais pas comment marche l'IA, mais à mon avis, c'est pas genre champ de vision. Il doit se dire champ de vision plus telle distance. Et que même si toi sur ton PC c'est dégagé, peut-être que les gens qui jouent en faible, tu vois, ils auraient pas vu les bandits. Je sais rien, c'est un exemple. Non, je peux rien fouiller de plus là. Bon, bah allons à l'étage. Il y a peut-être un atelier ou un truc sympa. Il faut vraiment que je mette un autre viseur sur mon ticard. Parce que c'est sympa. Si vous voulez, j'aime bien. Mais le ticard, je m'en sers le plus souvent quand je suis justement pas emmêlé et que je suis loin. C'est quoi ça? C'est une boule à facettes? Non, c'est un projecteur qui est tourné dans le mauvais sens. Enfin, il est dans le bon sens, mais par rapport à moi. Bon, rien de plus ici. Juste des compos, des trucs comme ça. Y a pas de tyrolienne pour... Non. On va voir qu'on a une bonne vision sur un peu tout. Bon. Est-ce que ça vaudra le coup, à votre avis, de changer la prochaine fois l'atelier, de remplacer le viseur de celui-là par le viseur du ticard, par le viseur enfin inversé, bref, vous avez compris, avec le ticard et mon fusil d'assaut. Je me pose la question, très sérieusement, je me pose la question. Ah, putain, mais je vais prendre le quad, moi je suis con, je peux pas prendre le quad. Oh là là. Ah, c'est bon. Ah, ils speed, hein, ceux-là. Hein. C'est pas des... Hein? C'est pas des connards, hein. Enfin, si, c'est des connards, mais c'est des connards rapides. C'est pas des connards, mais c'est des connards. Oui, non, mais on comprend. Hein. Vous voyez tout, très bien ce que je veux dire, de toute façon. Allez, où? Alors. Donc ça, en plus, le véhicule dans lequel je suis, c'est un cadeau du baron. Donc là, on va le suivre la route, en fait, tout simplement. Et juste après le croisement, sur la gauche... Normalement, doit y avoir un truc. Oui, j'ai bien conscience que le truc, c'est pas forcément le plus simple. Il doit y avoir un truc.
Pardon. C'est pas moi, c'est pas moi. Allez, zouf. Le croisement. On va sauvegarder au cas où il y a un problème. Ah, détecteur de mouvement qui s'emballe. Je sais pas si j'ai fouillé ce truc là. Le croisement, c'est bon. Et là, sur la gauche. Ça doit être ça. Il n'y a pas 36 000 trucs de toute façon dans le coin, ça peut être que ça. C'est quoi, hein? Ouf, ouf, ouf. Lampe? C'est un objet? Je pensais que c'était des compos, mais ça me... J'ai gagné un objet lampe. Est-ce que c'est que ma lampe éclaire plus? Hop. Ok. Bon bah ça valait le coup je pense. Voilà. Mais attends, c'est un abri. Je peux dormir. Ah oui, je peux dormir. Je suis con moi. Mais je peux pas modifier mon stuff. Donc je peux pas voir ce que c'est la lampe. On peut aller à l'étage. A priori, oui, je pense. Hein. Regarde d'avoir des objets. Bah. Merde alors. L'autre côté peut-être. Allez, mais. Oh merde là. Il me jette des gadins. Voilà. Alors qu'il suffit d'un petit headshot pour les one shot. Et moi je tire 40 balles à côté. Et voilà une brillante idée. Voilà. En fait non, il n'y a rien à fouiller. Tout ça pour rien. On a cramé 15 billes de plomb pour rien. C'est pas les compos les plus utiles, hein, je vous l'accorde. Mais quand même. Mais quand même. Alors, prochaine destination. On arrête. C'est pas à fouiller ça? Je vais prendre des jumelles ici. Attends. Le bateau là-bas. Non. On va quand même aller jeter un œil. Hop. On va quand même aller jeter un œil parce que faut pas déconner non plus. Il y a un gros logo au-dessus. Là-bas, il y a un passage. On va fouiller les deux. J'ai un petit freeze. Alors déjà le bateau. Est-ce qu'on peut aller dedans? Ou est-ce que c'est juste histoire de dire... Non, ça a l'air d'être juste histoire de dire. Très bien, on s'en fout. Le bateau, on s'en fout. Par contre, ça, avec le camion devant, ça m'intéresse. Ça m'intéresse déjà plus. Des esclaves. Morts. Visiblement exécutés. Il y a une cage. Ah. L'aide du baron. Tu veux bien me dire, Ivan, ce que c'est cette histoire de président du canyon? Qu'est-ce qui leur prend de m'envoyer des lettres d'insultes? C'est moi ou il se rebelle contre notre pouvoir? D'où est-ce qu'il sort et pourquoi je n'entends parler de lui que maintenant? Alors que la situation est sur le point de m'échapper. J'ai l'impression que vous avez tiré au flanc. Une situation hors de contrôle, ça implique de la marchandise gâchée. Et donc des pertes. Des pertes pour moi. Alors je veux te voir sur le terrain. Arrange-moi toute cette histoire. Sans quoi tu en assumeras la responsabilité et tu compenseras toutes mes pertes de ta poche. C'est toi qui as merdé, alors c'est bien normal. Et oui, dans tous les cas, tu peux te racheter un peu en amenant ce tribun du peuple vivant. J'aimerais voir à quoi il ressemble. D'accord, donc en gros c'est des... Si je comprends bien, c'est les hommes du baron qui ont été envoyés ici, donc avec des cages, pour mater une rébellion. Donc là, c'est voilà, quelques esclaves qui ont été tués. Et apparemment, il y a un mec qui s'est autoproclamé président. En gros. Ici et pourquoi faire? T'as déjà vu les indigènes s'entraider, toi? Écoute, on pourrait pas juste buter cet enfoiré. On se fait chier pour pas grand-chose. Tu comprends rien. Il faut penser à tout. C'est pour ça que le baron a toujours un temps d'avance sur tout le monde. Et c'est quoi le plan du baron, alors?
Ah, ils m'ont vu. Zut. Il va tout simplement sous-voyer cet enfoiré pour qu'il garde un œil sur tous les autres. Ah, malin. Comment ça? Merde. Est-ce que tu es là? Qui est? Hey, toi. Ils m'ont re-repéré. J'aimerais bien entendre la fin, alors je vais recharger et puis je vous retrouve à ce niveau-là du dialogue en gros. Ok, re. On y est, donc je vais essayer de mettre à côté d'écouter. Il va tout simplement soudoyer cet enfoiré pour qu'il garde un œil sur tous les autres. Comment ça? Ce serait pas le premier, tu sais. Si on le bute maintenant, il deviendra un martyr. Mais si on arrive à en faire ce qu'on veut, ça change tout. Et ça refroidit les ardeurs de ses potes. Tu piges? Ouais, c'est malin, hein. Ah ouais, ça y est, j'ai pigé. Le baron pense vraiment à tout. Ah, on est bien là. Il manque juste de quoi fumer. Et boire. Descendre, on va surveiller un endroit comme ça. Bonjour. Manque juste de quoi fumer. Et boire. Oula, bonjour. Il y a un petit freeze. Il m'a visiblement pas alerté ses potes. Qui sont je ne sais où. Il est allé là-dedans le mec. Engagez-vous, restez debout sans bouger. Où qu'il est l'autre? Bon, j'entends pas trop ce qu'ils disent, ils sont vachement loin. Enfin, ce qu'ils disent. Ok. Bon, en tout cas, il reste pas beaucoup d'esclaves dans le coin. Visiblement, on arrive un peu tard pour ça. On fera une minute de silence pour eux. Absolument pas. Descends là, putain, t'as nulle part où aller. T'en fais pas, on te fera pas de mal. À la niche des clébards, ils m'ont repéré, les salauds. Alors par où ils vont arriver? Mais... Putain la vache, c'est pas des chiens. Putain, mais y'en a combien? Hop. Hop. Merde. Eh merde. Ça, c'est pas des petits chiens, ça, hein. Je suis très très mal placé. Et j'ai pas entendu le dialogue. Bon, c'est pas grave pour le dialogue. Du coup, je peux escalader par là. Là, pour le voir, ça, faut connaître le jeu, hein. Je pense. Non, je peux même pas escalader. Si, je peux escalader. Celui qui le trouve aura une prime. C'est ça. Sauf si c'est un cadavre. Les cadavres n'ont pas de prime. Fouiller un petit peu ici. Hop. Ah, j'ai plein de balles de ça. Attends, on cramer quelques-unes. J'ai des micro-freezes de temps en temps. C'est pas trop dérangeant parce qu'ils sont très très courts. Ils sont pas si réguliers que ça, mais je...
Ça a l'air de se rendre, très bien. Et le mec a déblayé, enfin déployé sa... Ouais, il se rend. A déployé son échelle. Boum. Hop, on ramasse le loot, évidemment. C'est un bandit, ça? Ouais, peut-être. Lui qui était caché derrière. Ah, ils ont tous ce fusil d'assaut là. Hein. Donc, je sais, c'est bizarre quand même que je l'ai pas réussi à en trouver un seul. Peut-être que c'est de l'aléatoire aussi, les armes que les ennemis ont. Donc, peut-être que c'est en fait, j'avais bien fouillé, mais que. Ouais. Enfin, ils se battaient avec des haches, sérieux. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir de réussir. Hein. C'est-à-dire quand t'es avec des haches et des. Ah, ça, des tuyaux. Contre des gars qui ont des fusils d'assaut. Tu m'étonnes, la boucherie que c'était. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc peut-être qu'en fait, j'avais bien fouillé la première fois que j'avais fait le truc au phare, mais que finalement, ils n'avaient pas ces compos d'armes-là, alors que là, ils les ont. Parce que là, je tombe quand même vachement souvent sur des nouveaux fusils d'assaut, là, ceux que je viens d'avoir. Ou alors, l'autre solution, c'est que ça a été rajouté, mais j'en doute. Ça me paraîtrait bizarre. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Rien de très très important. De toute façon, les objets importants sont généralement mis en évidence. Allez voir Billy. C'est quoi ça? Il s'est pas suicidé quand même ce qu'on a. Bah... Si. Sérieux? Merci de m'avoir sauvé, mais je suis déjà un homme mort. Plus rien ne pousse à vivre, j'ai conduit mon peuple à la mort. Ils croyaient tout ce qu'on pouvait gagner. J'ai décidé d'initier le combat, de cesser de subir. N'était-ce pas une bonne chose? Mais à présent, tout le monde est mort. C'est moi qui ai perdu, pas eux. Mais ce sont eux qui sont morts, pas moi. Et c'est aussi ma faute, ma grande honte. Je ne peux plus vivre avec cette honte. Il me faut à présent rejoindre mon peuple, Arsène. Ah, d'accord. Je sais pas si en arrivant plus tôt, on aurait pu changer quelque chose, j'en sais rien. Peut-être, hein, peut-être genre au lieu de faire la mission du phare, on serait venu là, peut-être que ça aurait marché, j'en sais rien. Un objet en plus. Donc on a gagné deux objets. Donc il y a la petite lampe de tout à l'heure et ça, le casque. Alors, on va regarder ça. Cette visière est beaucoup plus dure à fissurer et rend le masque plus résistant aux dégâts. Les filtres deux fois plus absorbants... Pourquoi les détecteurs de mouvement ils s'emballent? J'ai des mouvements ici. Verre blindé. On va regarder ça. Et donc là, c'est améliorant l'efficacité tout en préservant sa durée de vie. Et là, l'ampoule incandescente est remplacée par une lampe aux halogénures métalliques. Le principal avantage de cette amélioration est de produire un puissant faisceau lumineux. Mais consommation électrique plus importante. Et je passe déjà mon temps à la recharger. Alors non. Le double filtre, c'est pratique d'un point de vue compo, mais là, je pense pas que j'en ai besoin pour l'instant. Verre blindé, vas-y. Pour prendre moins de dégâts dans la tête. Puisque les filtres, pour l'instant, a priori, j'ai pas besoin d'aller dans un bunker. Alors peut-être que je devrais y retourner bientôt, mais... Alors, et du coup, est-ce que pour le ticker, je peux mettre... Non, là, toujours pas. Hein. Ouais, et puis pas de vraies munitions. Il est très, très... Attends, vas-y, le laser rouge, voilà. Il est très, très long à recharger, hein, mon arme, hein. Je trouve. Elle est bien, mais c'est très 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 loin à recharger. Mais je crois qu'il y en avait une arme comme ça dans les premiers métros aussi. Hein. Elle était sympa, mais quand tu devais commencer à recharger... Oh là 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 là. La catastrophe. Medipack, vas-y, on va en faire 2, 3. Et on va refaire des billes. Voilà. Et les couteaux, on a ce qu'il faut. Voilà, très bien. Alors par contre,
une blague. C'est bien ce qu'il me pensait. C'est bien ce que je pensais. Il considère ce mec-là comme un être vivant. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir qu'une race extraterrestre vit dans le caillou. Le... Ok. Chargement rapide. Visiblement, le détecteur de mouvement, il est buggé. De temps en temps, un ennemi est invulnérable. Faut dire qu'il n'est pas vraiment mort techniquement, c'est plutôt... la cinématique de sa mort qui a été mise en place, tu vois, genre, on n'a pas vu, on a juste entendu un coup de feu et puis on l'a trouvé mort. Mais bon, très curieux. Allez, zou. Faut dire qu'il a été rapide pour rédiger sa lettre. Merci de m'avoir sauvé, blablabla, paf, mort. Ah, ça va vite les lettres de suicide hein, dans ce milieu. Bon, allez, zou, on se barre. Je peux pas... Ah bon, bah visiblement on est obligé de partir par l'autre côté. Hop. Y'a rien là-dedans? Non. Allez, zou. Zou, 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 zou. Vivement qu'on trouve un... Ah tiens, j'ai raté ça moi. Putain, je l'avais pas vu. Le petit enfoiré. T'as tout ça pour ça. Putain, j'avais vraiment pas vu le serpent. Il m'a surpris, d'une part. Et d'autre part, j'ai perdu de la vie. Et je re-sauve derrière parce que faut pas tricher, hein. J'aurais pu recharger et puis voilà, mais bon. Soyons beaux joueurs. Je recharge déjà beaucoup depuis tout à l'heure. N'abusons pas. Ok. Entre attention à tous. Ouais, ouais, on s'en branle. Vous les enfoirés du train. Vous vous croyez tout permis? Votre maman ne vous a jamais dit que c'était mal de voler les choses des autres? Les papiers du bateau nous appartenaient. Ils étaient à nous. Vous avez dépassé les bornes cette fois, bande d'enfoirés. On ne peut pas vous raisonner. Alors, il va falloir vous remettre à votre place. Pepper, pif, ramenez-vous. J'ai une mission pour vous. La situation devient incontrôlable. Je pensais attendre que le gars revienne du pillage. Mais on n'a plus aucune option. Le nouveau gang est totalement incontrôlable. Il faut l'éliminer. Est-ce qu'ils vont venir m'emmerder au train ou... Là, ça me fait peur ce genre de message, genre est-ce que ça veut dire... Ah putain mais foutez-moi la paix, putain de serpent de merde. Genre est-ce que ça veut dire que je dois retourner au train en vitesse pour les défendre ou... Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par là. Et un peu sur la droite, il va y avoir des trucs à ramasser. Ah oui, merde, faut que j'arrête l'épisode. Je commence à... Alors, bon, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Metro Exodus. Allez, salut, salut.